Ok. On va juste vérifier notre équipement, voir si on n'a pas trouvé mieux. D'accord. Je trouve un truc. Voilà. Nul à chier. Un Kusarigama, bambou noir. Pas dégueu. Le Kusarigama, celui-là, on va peut-être. Voilà. Comme ça, on ne le vend pas. Parce qu'il est pas mal. Il est quand même pas mal. Ensuite, en arc. Rien de mieux. On en a trouvé un qui est vraiment bon. Peut-être pas mettre ça. Sans déconner, pour l'instant, je suis un peu deg. Il faudrait vraiment que je monte la constitution à un point de plus et je pourrais porter d'autres armures. Faisons ça pour le prochain niveau, la constitution. Je dirais qu'on parle politique. Ok. Je suis assez poissard sur les armures pour l'instant. J'aurais aimé une meilleure protection. On va essayer de retourner au début, mais au pire, là, si je meurs, qu'est-ce que je perds? Vas-y, quoi. Le début du niveau, alors attends. Ok. Je passe par le chemin long. Je sais pas où je vais. Ah si. Ok. Bien. Où était cet énorme mob? Tu vois, le niveau, c'est à ce moment-là où tu débloques les raccourcis que tu te dis le niveau était peut-être pas si long finalement. Tant mieux quelque part. Le truc, il est revenu. Ah, finalement, on peut faire à manger. Ce gars-là risque d'être difficile à appréhender. Ah, mais attends, on a des compétences. Eh, tu sais que t'as des compétences hein, depuis tout à l'heure. Eh ben non, je ne le savais pas, nom de Dieu. Alors, apparemment, on a déjà déverrouillé des trucs. Changer de posture pendant une impulsion augmente la quantité de ki restaurée. C'est pas mal. Est-ce qu'il y a autre chose? S'active lorsque vous récupérez tout votre ki après une impulsion de ki. Applique un effet spécial qui augmente les dégâts infligés par votre prochaine attaque. La posture haute seulement. Non, je sais pas. Non, posture moyenne seulement. Posture basse seulement. On va aller du côté de la posture basse. Donc là, on a des passifs. Augmente les dégâts infligés par les attaques à main nue. Non. Une esquive parfaite déclenchera automatiquement une impulsion de ki. Ah, c'est bon ça. Augmente vitesse de restauration du ki lorsque vous effectuez une purification. Voilà. Parce qu'on est souvent en posture basse. On doit augmenter ça. Et ensuite, double katana. Vous donne une vision claire de toutes les attaques ennemies, vous permet de les éviter quand vous récupérez d'une esquive. On fait voir. Why not? Ça a l'air fun. Non, les dégaines, j'aime pas. Et après, ça, c'est les trucs compétences moi. Alors, en vrai, je crois que tout ce qu'il y a en posture moyenne, il doit y avoir la compétence. Ça, c'est un passif. C'est pas tant celle-là que j'aurais cru. Ouais, celle-là est pas mal.
Ah, il faut terminer une certaine mission en plus. Et ça, je sais pas ce que c'est. Résolution d'acier. T'as des trucs bizarres quand même. Attends, c'est quoi? Point de compétence double katana requis, hein? Ok. Bon. Apparemment, je ne suis pas assez compétent pour ça. Ah, j'aime pas ça. Ça, c'est non. C'est non. Parce que pendant le temps que t'es dans les airs, t'es hyper vulnérable. Par contre, ça, c'est bien en vrai. Et je peux pas parce qu'il me faut forcément ça. Et ça, pareil, il me faut forcément ça. Ah, c'est chiant. Ah, c'est vraiment chiant. Bon, on va débloquer ça. Et il faudra qu'on débloque ça ici. C'est pas mal. Ça va prolonger la durée des combos. Des combos. Ok. Bon, bah allez, c'est parti. Hein. Vous vouliez me voir affronter ça. Je sais qu'on va crever en un coup, que voilà, hein, mais bon... qui ne tente rien n'a rien. Let's go. Pourquoi je me mets loin? Ça sert à rien. Il y a une portée de dingue. Okay.
taste of booyah. First try. Non mais Raven, c'était même pas le boss. Oui, bon bah voilà. Clé du cimetière. Excellent. Wow. Il est vrai que nous n'avons pas débloqué la zone ici. Ah, c'est cool. Tu vois, ça c'est un truc par contre que j'aime. Revenir un peu plus tard. Oh, Istogood, rejoins le culte de Booyah. Merci énormément à toi, Istogood. Merci beaucoup pour ton 17e mois d'abonnement. Putain, ça c'est incroyable. Vraiment incroyable. Ok, et du coup, on est de l'autre côté. Bah oui, forcément. Oh là 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 là! Et ça, c'est tellement bon, putain! Alors, attends, du coup, on est là. Qu'est-ce que ça change? Parce que là, ici, tu vas pouvoir arriver là. Oui, d'accord. Tu vas débloquer le chemin. Et après, parce que cette zone, on la connaît. C'est juste pour ça. D'accord. Ok. D'accord. Il n'y a rien de plus, rien de moins. D'accord. Ok. C'est juste moi, en fait, qui n'ai pas pu activer ce passage-là. Mais c'est cool. Putain, ça fait vraiment plaisir de... Je pensais qu'il y aurait un autre bout de niveau ou quoi, mais... Non, c'est juste que je n'explore pas à 100% les niveaux. Là, je pense qu'on a vraiment exploré un bon morceau, hein, là. Alors, Mizuki, on connaissait déjà un petit peu son pattern via la dernière démo. Mais son attaque, où il fait un gros balayage, ça reste très, très meurtrier, hein, en soi. J'aimerais bien trouver un hôtel où me reposer avant de crever comme une grosse merde. On va essayer d'arriver à bon port. Hein. En ville, de préférence. Allez, 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 l'hôtel, là, allez, allez, sanctuaire, pardon. Oh, j'avais dit qu'on devait monter quoi déjà? La constitution, je crois. Ce qui n'augmentera pas. Ah, c'est le cœur qu'il faudrait que je monte, pas la constitution. Mais grâce à ça, on pourra prendre... Si je monte pas la constitution, je pourrais rien porter, donc si, on est obligé. De toute façon, il y aura forcément des items pour nous permettre de remettre notre stat à bon point. Mais la constitution à 10, de toute façon, dans le build, est un must. Donc comme ça, on pourra porter de meilleurs équipements, tout simplement. Je crois qu'on est sur la bonne route. Il te rappelle encore les trucs, tu sais. En fait, t'as une capacité yokai. Ouais, non, c'est bon, allez. Ah, de l'anima. D'accord. Ouais, je m'en rappelle à l'avenir. Alors Vincent, comment je savais son nom? Tout simplement parce que, encore une fois, on avait affronté ce boss dans la démo The Last. C'était un boss dedans. Voilà, tout simplement. Et aussi parce que j'ai vu une vidéo avec le lui dedans. Parce que ils ont adoré spoiler pas mal de boss dans leurs vidéos. Et là, vu que c'est moi qui regardais les vidéos, c'est du spoil entre guillemets intentionnel, mais bon. Ils te disent, hey, regardez ce gameplay de Nioh 2, tu regardes, ah, un boss que je connaissais pas, why not? C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Non. Non mais un coup il me faut de l'endurance, un coup... Non mais tu voyez, il faut souvent des trucs à 6 points. Si t'as pas les 6 points... délicat. Ouais. Ok. Ok. Là, on est bien. Pour l'instant, tout ce que je trouve, c'est des trucs qui ont 4 aussi de défense. L'arc, j'ai rien trouvé de mieux. Est-ce qu'on a trouvé mieux On a trouvé des glaives.
Ces glaives sont peut-être bien meilleurs que celui que j'ai, parce que bon... Au bout d'un moment... Putain, mais à peine! Ah putain, déçu. Hein. Eh, déçu, déçu. Allez. Ok. C'est le même gars que tout à l'heure ? Non, attends, son arme est différente. C'est un reskin, on dirait plutôt. Ça, c'est le Mizuki originel. Celui qu'on a affronté avant, c'était un... Ouais, j'en sais rien, un peu. Oh, je connaissais pas cette attaque. D'accord, donc... Toujours aussi meurtrier, c'est... Ah, voilà. Nice. Ok, il a quelques nouvelles attaques que je connaissais pas, notamment le coup de pied en arrière. C'est dommage parce que c'était un... un bon moyen de l'avoir. Ok. Sympa. Allez. Un petit peu de résistance quand même. Ça fait plaisir. Par contre, l'arène aide pas. C'est souvent bloqué contre un rocher, contre... What? Ok. That's a bad start. Ok. Ouh. Allez, encore quelques coups et il est à moi. Oh non. Pas ça, c'est chiant. Okay. Mort par coup de pied. C'est Kikli, bordel. Allez. Après, c'est bien. Il a aiguisé sa lame avec ton corps. Non, en vrai, il est comme dans la démo, sauf qu'ils ont rajouté quelques patterns ou quoi, et ces quelques patterns font que c'est très vite difficile. Et puis l'arène, encore une fois, qui est fort. Ah, ce petit rocher qui est pas mal, là. Par contre, je trouve qu'il a il a une sacrée masse de vie. Hein. Après, oui, on va me dire que je suis en posture basse, blablabla.
Sa jauge d'anima baisse énormément, donc ça va. Je connais en plus ce bâtard. Un petit soin. Ah, c'est... Ce coup de... Ce qui est compliqué avec ce boss, c'est que tu dois le faire pratiquement à poil en fait. Je veux dire, t'as pas de magie, t'as pas... Bon, en tout cas, il est beaucoup plus fort que celui du cimetière. Ce qui est mieux, bien. Enfin, on va dire c'est moins bien. Toujours un soulagement quand le boss il enlève son royaume yokai de merde. Le gros point faible de ce boss c'est sa jauge d'anima, tu vois quelques coups et elle est réduite en poussière. Voilà, j'ai même pas besoin de faire un contre yokai là-dessus. Voilà, la jauge, elle remonte. Il avait fait une attaque que je pouvais contrer, mais j'ai pas fait gaffe que c'était rouge avec tout ce bordel de couleurs. Est-ce que je me soigne ? La jauge de ki remonte vraiment difficilement. Allez, on se soigne. C'est bon. Non, c'est bon. Ah, cool. Je me souvenais pas qu'on pouvait lui faire un coup critique, je l'avais raté dans la bêta. Putain, cette attaque meurtrière. Taste Booyah!危なかったな。
Les mecs ils s'en foutent quoi. Genre toi tu te dis ouais y'a que moi qui peux les voir et tout. Non non. J'aime bien le mec. Attends je vais hop passer. Je sens qu'on va l'aimer ce gars. Je sens qu'il va être excellent. Oh ton fin en bois de rose. Ouais j'arrive. Bon on regardera les équipements après. Il m'attend. Bah vraiment bien. Bien content de cette mission. ヒデ。か。よし。じゃあヒデの字な。呼びやすいだろ。 知恵を頼りに霊石を売り歩く俺にはいつしか猿が取り付いた。 お前は、あやかしを倒す、あやかし。だけど、宿っている魂は、紛れもなく人だ。俺たちは、きっといい相棒になれるはず。下船だとか、汎用だとか、そんな世評は笑い飛ばせ。一緒になりやがって。 でっかい夢を見てやろう。さあ、どうする？よし、どうせ行くとこないんだろ？来いよ。 Possédé par Mazaru via la division de l'esprit. Excellent. Et vous êtes 143 sur le live. On a battu tous les records possibles et inimaginables. On a écrasé l'ancien record. Hein, l'ancien record qui était à 113, je crois. Vous l'avez pulvérisé, quoi. Je veux dire, voilà. Excellent. Merci encore à vous d'être là ce soir. Merci beaucoup. Je rappelle encore une fois qu'il y a un live tous les mercredis de 18h15 à 20h. Et tous les samedis soirs de 21h15 jusqu'à 1h, 2h du mat, tout dépend mon niveau de fatigue. Il semble que l'augmentation... Et le lien vers le Twitter et le Facebook est juste en dessous du stream, du lecteur du stream. Voilà. Il semble que l'augmentation continuelle de yokai est due à cette guerre sans fin. Et Mino n'est pas la seule à tomber en ruine. Les combats incessants de samouraïs se sont étendus jusqu'aux provinces d'Owari et Tomi. Et c'est l'occasion parfaite de nous faire un nom. Avec mon intelligence et votre force, je suis sûr que nous pouvons venir à bout de n'importe quel obstacle. Je compte sur vous, Idi. D'accord, donc mon nom, ce sera Idi. Bon, je trouve pas ça ouf comme nom, mais... Tokichiro ! Ah mais Tokichiro qui a esquivé les armes, les loot, ça m'a fait rêver. Oh, je m'y attendais tellement pas. Le mec, attendez, je vais passer par là. Noyau d'âme purifié. Ça, c'est un très très bon move. Je vais mettre ici. Ore no atsumeteru reiseki ni wa
大きな力があった。異国じゃアムリタとも呼ばれ、国の戦を決めちまうほどなんだとか。今や日の本は力がものを言う戦乱の世。戦のたびにこいつが飛ぶように売れるってわけよ。だがこのご時世、あやかしや野党がおって命がいくつあってもだな。 C'est excellent ces petites scènes. C'est vraiment, ils ont amélioré le 1, quoi. La bête de fumée et de feu. Ah là là, 3 sur 5, niveau recommandé 10. Alors que là... Ok, donc là, direct, on va attaquer une mission qui a l'air très difficile. La forêt enveloppée des ténèbres. Alors attendez, est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut trouver? En fait, on peut trouver sur la carte parfois des petits objets. Il suffit juste un petit peu de... de chercher. Non, il n'y a rien apparemment. Ah, y a des illustrations et tout, d'accord. Bon, c'est pas trop ce qu'on veut. On va aller au sanctuaire, monter encore de niveau. Allez, un petit point de compétence. Voilà. Est-ce qu'on a trouvé une bougie d'invocateur, quelque chose comme ça? Pas une bougie, une... Non, on n'a encore rien trouvé. J'espère qu'au prochain niveau, on pourra trouver de quoi nous faire de la magie. J'ai appris une compétence... Ah, double katana. On va pouvoir faire ce que je voulais, c'était quoi? C'était ça? Ouais. Voilà, parfait. Et ici, hybride. Augmente votre anima de 1 en purifiant le royaume Yoka avec une impulsion de ki. Augmente le taux de butin des objets de 2%. Pas mal. Restaure 40% de votre ki en réussissant à contre-explosif. Waouh. On a pas mal de passifs. Augmente vitesse de restauration du ki suite à un contre-explosif. Réussi. L'épuisement de la jauge quand vous subissez des dégâts. On va augmenter ça. Ok. Du coup, est-ce qu'on a trouvé quelque chose de mieux en termes double Ushigatana? Non. C'est dommage que le loot soit des tonfa et pas un double katana, mais bon, c'est pas grave. En soi, on a déjà un bon truc. On n'a pas encore testé l'autre arme, mais je crois que ça va être le moment. Ça fait quoi ça? Augmente votre attaque en proportion de l'amrita de votre jauge d'amrita. D'accord, je vois. Bon, on va plutôt aller là-dessus. Pas de meilleur arc. Prendre ça. On va pouvoir peut-être utiliser le glaive pour la prochaine mission. mission secondaire, arme secondaire. Eh, hey, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Alors après, en dojo... Bon.
Rien d'exceptionnel, mais c'est bien d'y aller si on a oublié un truc. Ça, je ne veux pas y aller. Très bien. Quelle est la mission secondaire ? Il semble qu'une bande de voleurs ait installé sa base dans la forêt. Ils terrorisaient autrefois les villages voisins, mais un jour, leurs raids se sont soudainement arrêtés. Bien sûr, s'ils ont juste fait leur baluchon pour quitter définitivement cet endroit, il n'y a rien à en dire, mais quelque chose de louche se trame là-dessous. Pas d'inquiétude, même s'ils sont encore là, ils ne représenteront pas une menace sérieuse. Allons-y. C'est vrai que lui, tu vois, il fait... Tokichiro fait un peu office de personnage drôle et tout, tu vois, ça va être le comique un peu. Parce que dans le premier Nioh, ils essayaient de faire des choses comiques. On se rappelle notamment de William et Dokatsu à un moment au château qui voulaient s'embrasser et au final, William avait une haleine de merde. Hein. Et tu sais, ils essayaient des petits trucs comme ça, mais je trouvais que c'était marrant, mais ça n'allait pas à la situation. Sous prétexte que William était un personnage trop sérieux. Il manquait ce personnage un petit peu de... voilà, de fun qu'on a maintenant ici. Donc classe. C'est toujours les armes qu'on n'utilise jamais qu'on a en nombre. Bah c'est ça. On va tester le glaive, je veux voir. En vrai, j'ai hésité à reprendre, comme dans le premier Nioh, double katana et Kusarigama. Mais je me suis dit, allez, le glaive, tout le monde me dit que c'est pas mal et tout. J'avais envie de tester, puis ça fait une ancienne arme, entre guillemets, le double katana que j'adorerais toujours. Et ben, le glaive, comme ça, on pourra le tester. Quoi. Allez, c'est parti. Testons un peu ce glaive, voir ce que ça vaut. On pourra presque monter d'un niveau. Quoi. Tiens, salut. Comparé à l'antagoniste du premier Nioh, toi tu cherches les pierres d'esprit, c'est juste pour du fric quoi. Après, c'est aussi du fric pour vivre. Cheaté ? Non ! Pas du tout ! Pas du tout ! J'en étais sûr. Putain, oh les dégâts! Les dégâts d'une flèche! Oh non, je m'attendais pas à ça! Waouh! Je fais n'importe quoi, mais c'est, je m'en fous, c'est trop marrant. Pédiluve, bienvenue. Bienvenue dans la communauté restreinte du Booyah. Il y a déjà un hôtel, là? Déjà? Oh là là, d'accord. Mais... what the fuck? Les combos! Les combos, ils sont ultra longs! Les combos sont ultra longs! Oh non, non, non! Cette arme aura définitivement un nerf. C'est pas possible. Je le dis, cette arme sera nerfée. C'est sûr. C'est beaucoup trop puissant. Le double katana, ça allait, c'était normal. Pas très fort parce qu'on était en début de jeu. Oh mais là... c'est n'importe quoi tellement c'est fort. Bah bienvenue à toi, Pédiluve. J'ai un peu du mal à prononcer ton pseudo. Je suis désolé, je suis obligé de le lire et de bien le comprendre. Ok. What? Ce qui serait top, ce serait d'explorer une énorme partie de la zone, quoi. Mais... ah. Ouais, dès qu'il bloque, après c'est délicat, mais... allez, attention! Ça! Regarde ces combos que je te fais, quoi. Ah.
Ok. Voilà. Oh là là. Oh nice. Putain, même la mission secondaire, elle a l'air d'être assez longue celle-là. Tout sympathique. Oh. Putain, y'a des Kodama. Ah mais il faut que j'explore moi, je savais pas qu'il y aurait des Kodama ici. Il n'y a pas toujours des Kodama dans les missions secondaires, c'est pour ça que ça m'épate. Oh, un petit chapelet. Petite pierre d'esprit. Eh bien, soit. Bien écrasé tous les champignons. Voilà. Ok. Alors là, par contre, on est dans la merde. Un utilisateur de double Ushigatana. Je vais pas me lasser de ça. Je ne vais pas m'en lasser. Putain, on trouve des élixirs à pas mal d'endroits. Hein. Non mais regarde la taille du truc. Quoi. Ok, bon, lui clairement je passerai pas la défense. Non mais en fait, c'est simple, quand je vois cette arme là, je me dis, tu sais, je pense à la musique de Vince McMahon, tu sais, à la WWE. No chance, you got no chance. Oh non, putain. C'est terrible cette arme, c'est terrible. Pourquoi on m'avait conseillé une arme cheatée? Ah si, je sais pourquoi, mais... Tu as déjà joué à Gridfall? Non. J'aime ça pas, salut à toi. Bien le bonsoir à ceux que j'aurais pas vu. Désolé, hein, j'ai le chat vraiment... Hop là. Un petit peu en croisé comme ça. Ok. Je dois protéger l'arbre. L'arbre est la vie. L'arbre est sacré. Il n'a plus une feuille depuis 20 ans. Mais c'est pas grave, je protège l'arbre. Les racines sont là. Yo, je vais l'arroser. Avec ton sang. Avec ton sang. Voilà. Difficile. Oh, sous glaive. Sous glaive. Et du coup, nous revenons ici. On a fait un joli petit tour. Pas mal. On a 5 élixirs, on a encore un peu de vie. On est bien. Bah oui, Ravi préfère les armes nulles, c'est connu. Viens de regarder sa run au Cest. Le pire, c'est que les Cest, je crois que dans Dark Souls 3, sont pas terribles. Mais dans Dark Souls 2, ils sont 10 fois mieux parce que ça peut stun les ennemis. C'est limite facile une Renault Cest sur Dark Souls 2.
Je vais lui enlever 7 vies alors qu'il a bloqué les 3 cartes du coup. Un point de compétence pour maîtrise du glaive. Ah bah vas-y. En plus, elle augmente avec la magie. Ça tombe bien, on veut faire un build magie compétence. On va faire un build calqué du premier en fait. Et je me doute que plus tard dans le jeu, on trouvera quelque chose qui pourra reset nos stats. Ça, je me fais pas de soucis là-dessus. Les ennemis qui n'ont pas une grosse armure, ouais, j'ai mal pour eux. Phytoremède. Remède secret. Ah putain, oui, d'accord. C'est ce qui te permet de restaurer entièrement tes points de vie. Ouais, tu peux utiliser ça dans un raccourci éventuellement si t'es grave dans la merde. Ouais. J'ai cru qu'il allait avoir un piège du genre à un rocher qui va rouler sur la gueule. Bon, c'est pas cheaté. Franchement, c'est une arme parfaitement équilibrée. Allez, vas-y. Attaque-moi avec tout ce que tu as. Pas mal, mais pas assez. Ah, j'ai trouvé de la laque. Génial. Attends, mais je suis jamais allé... Attends. Je suis jamais allé là où j'ai fait tomber l'arbre. C'était où ? J'avais fait tomber un arbre à un moment, je suis jamais allé plus loin. Merde. Je crois que j'ai raté un truc. Attends. C'était où ? On avait fait tomber un arbre à un endroit. C'était où ça ? J'avais fait tomber un arbre. On n'est jamais allé après. Ah, mais c'était là. Non. Non, pas du tout. Si, c'était... Ah, mais c'était pour aller peut-être dans le village. Ouais, c'était là. Bah, ça rejoint ici en fait. Yes. Bravo. Bravo, bravo. Ça, c'est du Nioh 2. Nioh 2, mesdames et messieurs. Avec la petite musique qui va bien. T'as le démon. Oh ouais. Normal, il y a des yokai. Ah. On dirait la musique de la pub Tahiti, mais en version remasterisée, quoi. Allez, douche-toi dans ton propre sel. Cool. Voilà. Bon bah shrapnel. Oh, n'approchez pas d'Iron Man ça. C'est par là. T'as vu, tu vas mourir, t'as vu, tu vas mourir. Ah. Salut Matex.
Et si on prenait notre revanche? Oh putain, pas deux fois! Il est retombé. Le karma l'a eu! La revanche d'un homme! Ha! Ha! Chè! Bon. Kodama. Il doit y avoir 3 Kodama. Ah non, tous les esprits, 2. Ok. Pédiluve! Allez, bah écoute, bonne soirée à toi! Mais maintenant, on va où? Ma boussole. Ma boussole m'indique cette direction. Aïe. Oh. Why? Kitsama. Je suis jamais allé là. Ah, si. Lourd. Ces dégâts étaient comme ma couille. Lourd. Ah, attention. Peut-être qu'il faut aller par là pour continuer. Ah, très bien. Non, je suis déjà allé là. Putain. Bon, ça m'énerve, jeune homme. Putain, je l'ai levé avec le glaive. Voilà, il y en a le week-end tranquille, il soulève des darons. Moi, je soulève tranquillement des samouraïs. Bah écoute, c'est une passion. Caresse-le. Je sais pas trop où je suis. Je suis littéralement bloqué. Voilà, parce que la zone est hyper étroite.
Taste the Booyah! C'était pas évident là. C'était pas évident. Dû à la zone et tout, le fait que t'avais plein de machins au sol. Failli crever. D'accord, j'ai une emote, aucun souci. D'accord. Il semble que d'autres esprits recherchent les pierres d'esprit. Pourquoi j'ai dit esprit ? Non, ça. Il semble que d'autres recherchent les pierres d'esprit. Quelle qu'en soit la raison, ils se sont changés en monstres et je suppose qu'après cela, la recherche des pierres d'esprit leur est complètement sortie de la tête. Quoi qu'il en soit, si nous avons des rivaux par ici, il vaut mieux être prudent. Nous allons devoir conserver une longueur d'avance sur eux et nous faire un nom. Les noyaux d'âme ont été purifiés. Voilà, plus puissant. Nickel. Sauvegardons. Ensuite. Ah. De l'eau sacrée. Le mont Ibuki est une montagne sacrée abritant un dieu des montagnes. D'après la légende, un brave héros, Yamato Takeru, escalada la montagne pour combattre le dieu. Mais il fut maudit pour son insolence et se vit affligé d'une maladie grave. Il réussit tant bien que mal à s'échapper pour atteindre une source sacrée au pied de la montagne. Mais sa condition s'aggrava et il finit par mourir. Sympa, t'as des petits... c'est des vraies histoires ? Si c'est le cas, c'est génial. C'est... Ou alors t'as la réaction typique du gars. Attendez, mais ce jeu veut me faire apprendre des choses. Ah ! Est-ce qu'il y a autre chose ? Ah, il y a autre chose, attendez. Ici. Flèche sacrée. Le grand sanctuaire de Suwa se trouve près du lac Suwa, dans la province de Suwa. Ah non, pas du tout. De Shinano. Il est considéré comme le plus ancien du Japon. Suwa Myojin, la divinité du sanctuaire, est vénérée comme le dieu de la guerre depuis les temps anciens. Une fois tous les 6 ans, le festival Onbashira s'y tient. Sympa. Tu vois, c'est vraiment sympa. Ça te donne envie, du coup, de regarder un peu. Ouais, j'aime bien. Des vraies légendes, d'accord. Ah, Angelus qui a banni quelqu'un. Il y avait du spoil ? Ah, apparemment, il y avait du spoil. Ouf, merci Angelus, tu m'as évité parce que là, j'allais sur le point de lire le chat. Donc, merci. N Black, salut à toi. On va aller au sanctuaire. Anonymous Braze, bienvenue. Bienvenue dans la communauté restreinte du Booyah. Enfin, ce soir, pas si restreinte que ça. On est plus de 100, ça fait trop plaise. On peut monter de 2 niveaux. On peut augmenter l'endurance. Attends, non, l'endurance, c'est ça. C'est peut-être le cœur qu'il faut que j'augmente. Qu'est-ce qu'il faut que j'augmente ? Ouais, le cœur. Tadam ! Les débuts d'un samouraï. Quoi, atteindre le niveau 10 ? Ok. Bah, bien. Il plaise. Ensuite, on va regarder si j'ai pas débloqué. Franchement, le glaive cheaté. Hein, clairement. Attends, mais ça se trouve, j'en ai trouvé un mieux en plus. Le glaive, franchement, là, les gars. Réduction de ki. 182. Double chi, ce qu'on a mieux. Pour l'instant, non.
Pas de meilleur arc non plus. Alors, je sais pas si vous pourrez me répondre. Dans le premier Nioh, il y avait un truc qui permettait en fait de, pendant les cinématiques, de cacher l'équipement de tête qu'on portait. C'est-à-dire que tu pouvais avoir un truc, tu sais, un énorme casque sur toi. Pendant les cinématiques, ça n'apparaissait pas. Je sais pas quelle est l'option à activer, désactiver. C'est peut-être dans les options, tout simplement. Je vais aller regarder. Je sais pas s'il y en a qui voient de quoi je parle. On n'est pas... Ah, si. On n'est pas ultra chanceux quand même, hein, sur ça. Tu vois, parce que là, c'est moche. On va regarder dans les options. Pas là-dedans. Dans les options. Attends, what? Princesse Myrina, salut à toi. Première page, paramètres de base du jeu. Ah! Afficher équipement de tête désactivé. C'est cela. Ah, merci beaucoup. Tibueno, bienvenue. Bienvenue dans la communauté restreinte du Booyah. Voilà, comme ça on n'est pas emmerdé par cet équipement de tête. Ça fait plaisir.